Les Alors, copains, bien le bonsoir. bonsoir. Je suis accompagné du Balachem. On est dans le massif de la Belle Donne. On va faire la traversée de la Belle Donne nord-sud Nord-sud. de Aiguebelle à Vizille. Nous, on a modifié un tout petit peu le parcours parce que. Le début, c'est de la merde. Le début, c'est beaucoup de pistes, de petits sentiers au bord de la route, c'est pas. Donc on est parti directement du fort. Voilà, du fort de Montgilbert. Par Vous y contre, passez hein, quand vous partez d'Aiguebelle hein. oui, Tu passes. on s'est arrêté donc sur le GR. On n'est pas passé par Aiguebelle, par contre, on est passé de l'autre côté, donc nord-ouest de la Belle Donne plutôt que du nord-est. On s'est garé 100 mètres avant le fort de Montgilbert et on a fait juste 5 km hier soir de nuit parce qu'on arrivait très tard. On est ici devant la cabane du petit Cucheron. Et c'est parti pour à peu près 100-105 km parce que pareil, arrivé à Champs-Rousses, la station de ski, on va s'arrêter là parce que Champs-Rousses, Vizille, c'est minable, il n'y a plus rien à voir, ça sert plus à rien. Après, ça fait partie du tracé, hein, Oui. mais nous, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Tout à fait. Et ça On va se commence faire. très très bien, les enfants. Hein. Oui, ça C'est très très commence très beau très bien. d'entrée. Hein. C'est forêt, ça fait un peu esprit un peu celte là, hier soir, un peu dans le noir. C'était. Ouais. On va se régaler. Les températures en cet été 2022 sont cagnardesques. Cagnardesque, oui. Oui, vous allez vous régaler, je vous le promets. Vous allez avoir plein, plein, plein d'infos concernant le parcours, les refuges, les ravitaux, les variantes, etc. On a prévu de le faire en 6 jours, si tout va bien. On avait 20. prévu 7 jours, mais en sachant Voilà. qu'on a enlevé un peu du début, un peu de la fin. 6 jours, 6 jours. ça sera bien. Let's go. Alors, on vient de passer le col du Grand Cucheron, 1h10, mon ami, de la cabane du Petit Cucheron. Et là, on monte au col du Champé. Col du Champé annoncé en 2h45, donc du col du Grand Cucheron. À peu près, ouais, vous avez 500 mètres de route. Ouais, voilà. Je précise que là, on n'est pas sur le GR, parce que le GR fait descendre au Pontet, qui est un bout absolument pas employé. Je pense que c'est plus si vous êtes en fin de parcours. Tu vas être ravitaillé Ouais. pour faire ta dernière journée tranquille ou tu veux t'arrêter au pont. Tu peux partir du pontet par contre. Hein. Ouais. Donc là, en fait, on prend plus un chemin, on va dire, plus joli, par des crêtes, par des cols. Donc c'est pour ça que là, Ça on est ici. s'appelle col du dessus. Col du dessus. Voilà, c'est au-dessus. Voilà, Ça c'est s'appelle comme ça. au-dessus du Grand Cucheron, c'est le Ouais, col c'est du dessus. col du dessus. Voilà. En termes de destination de soir, on va faire ça un peu au feeling tous les jours. On ne s'est pas fixé d'arrêt butoir par jour, parce que peut-être qu'on fera 20 bornes un jour, 25 un autre, en fonction de nos envies, si on a envie de s'arrêter dans un refuge pour manger un bout, un spot, un lac qui nous inspire et qu'on veut se poser là alors qu'on a fait que 18 bornes, mais on le fera. Donc suivez bien cette aventure tout le long pour avoir bien toutes les informations. Et nous on va continuer tout simplement à se régaler quoi. Ouais, bah après, de toute façon, comme ça, tu vas. Nico, il filera les chiffres par jour. Vous avez l'étape, le jour de tel endroit, au moins. Vous avez le truc clair en main. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci Trécat. Bon alors qu'est-ce que ça dit? On est au-dessus le col du coin. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce matin? Ça grimpe. On a trouvé le mot pour définir, je crois, la Belle Donne avec Yaya. Brutal. Voilà. La Belle Donne est très brutale et c'est que le début. On a fait 7 km, on avance à 2 à l'heure, on fait du 2 km heure, 2, c'est waouh. 711 plus 313 moins en 3h15, on est à 1625 mètres d'altitude. Voilà, on va faire une petite pause repas. Oh, le départ forêt, waouh! C'est Bon, top. c'est vrai que c'est brutal. C'est Mais brutal. c'est que des bouf, 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 bouf. C'est monte, ça descend, monte, ça descend. Bon, on le Ouais. savait, hein, on s'attendait à ça. On passe à table,
on reprend des forces et direction le col de Champé qui est à 45 minutes du col du coin. Voilà, col du Champé, 1745 mètres, 880 mètres positifs, 382 mètres négatifs. À 3 minutes près, à chaque fois à peu près, on est pile sur les horaires qui donnent. Super. Là, on se dirige ici. Ouais. Le grand chat. Le col de la Perche par le GR 738. Là, ça y est, on est sur le GR. Le col d'Arbaretan, le refuge d'Arbaretan. Et ensuite, col de la Perche. Ouais. Voilà, donc on sait que col de la Perche, il nous reste 2 heures. C'est très, très, bien. Très bien. Très bien. Et on va pousser encore un petit peu plus. Allez, on continue. Bon, depuis le début de la journée, c'est un peu compliqué niveau water. L'eau, c'est un peu la caca, dans le sens où y a très très peu d'eau, voire pas depuis le début. Et là, du coup, on a fait un tout petit crochet, on est sorti du GR pour aller au chalet d'Arbaretan. On a vu que sur la carte, il y avait une source, donc en fait, on va voir s'il y a de l'eau. Par contre, là, les copains, c'est magnifique, hein. Ce chalet-là. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît beaucoup. Hein. Vous avez la vue sur le Mont Blanc. Bon, le refuge, il est magnifique. Ça, on peut rien dire. Il y a un poêle, il y a une table avec des bancs. Il y a du bois à l'intérieur. Au-dessus, au niveau du dortoir, c'est gigantesque. Il y a des couettes, il y a des matelas, apparemment. Par contre, niveau eau, il n'y a rien du tout. Il y a une sorte d'abreuvoir, là, mais le tuyau, il ne coule plus. Et là-bas, il y a l'air d'avoir une sorte de bâtiment en dur. C'est fermé à clé. C'est un peu la merde, parce qu'on aimerait bien aller au refuge de Perrières ce soir, mais de là jusqu'à Perrières, je crois qu'il n'y a plus d'eau. C'est important la water, surtout en plein été, dans la montagne, avec un cagnard de plomb. Très important. Il nous reste 40 centilitres chacun. Ça y est, on est au col de la Perche. On a bien monté, hein, très, très franchement, belle montée. On a trouvé de l'eau. Alors, entre le refuge d'Arbaretan et le col de la Perche. Ouais, il y a des petits ruisseaux. Il y a des petits ruisseaux. Hein, il y a grave de l'eau. Nous, on s'est fait avoir, on a perdu un peu de temps parce qu'on avait une toute petite source et ça coulait doucement. On a perdu presque 10 minutes, un quart d'heure et on a fait 50 mètres de plus et il y avait un tour. Voilà. Et bien, on se dirige vers le refuge de la Perrière. 2h10 annoncé. Il y a des refuges partout, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Ah ouais, c'est. Voilà. Le top. On est en train de se dire que peut-être la traversée est faisable de cabane en cabane ou de cabane en refuge. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. C'est... Vraiment. Le temps commence à changer. Le petit vent de la pluie, hein. Dans 2 heures et quelques, on arrive à la fin de notre étape. Trop cool. On est à la source de Gargoton. Ça coule, il y a de l'eau. Ouais, ça coule grave. On s'est tapé un petit peu de dénivelé négatif. Bah 400. Oh oui. Et là, je pense qu'on va se taper 350 plus pour monter au dernier col de la journée. Se régale le parrain de la chaîne. Écoute, le parrain de la chaîne se régale. Il attend juste demain, voir un petit peu l'état de ses guiboles. C'est tout. Régalade. Toujours pas eu de petite blague, hein. Deux. Toujours pas eu de petite blague. Ah, il n'y aura pas de blague. Il n'y aura pas de blague. Il n'y aura pas de blague. Non, c'est impossible. C'est impossible. Eh ben il pleut. Incroyable. Ça fait peut-être 4 mois qu'on n'a pas vu la pluie. Il suffit qu'on parte en trek pour que bam, petit parapluie. Eurochirme qui fait bien le taf. Ça évite de mettre la veste de pluie et de suffoquer à l'intérieur parce qu'il fait quand même chaud. Col de la Perrière. Ouais. On y est. 2000 mètres d'altitude. Et là, on va au refuge de la Perrière. Comment va le parler la chaîne? Belle montée, hein? Très belle montée. Je m'attendais à
plus en chic que ça. Ouais. Puis sur la fin de journée, on a vu en face la grimpette. Ça va. Allez, on arrive à la cabane de Perrières. Comme elle est belle. Mais comme elle est belle. Trop beau. Il fait pas très beau. Donc c'est rassurant de savoir qu'il y a des cabanes un peu partout ici, en Belledonne. Bonjour. Quelle heure il est ? Bonjour. 5h25. On part tôt ce matin. Ouais. On a une grosse journée. On a 8h de sommeil. Quasiment. La récup, c'est très important. On se boit le café, petit muesli. Petit M&M's. C'est reparti. Hein. Grosse journée. Attention, grosse journée. On va au col de la Fraîche pour ce matin. Une heure de marche. Depuis la cabane où on a dormi. Et ensuite, le refuge des Ferris. C'est un refuge non gardé encore. Allez, la journée s'annonce bien. Là, on attaque par 400 plus d'entrée là. Même passé le col en fait. Comme ça gros. On s'est arrêté vite fait à la cabane des Ferris. Petite cabane mignonne, hein. En bois, dedans il y a 6 couchages. Il y a un poêle à bois qui a l'air un peu moyen. Il n'y a pas de bois, attention, hein. Vous êtes vraiment dans la montagne. On se dirige direction le refuge de Pierre Carré. Donc des Ferris jusqu'au refuge Pierre Carré, 3h10. Je pense qu'il faut compter un poil plus. Un petit peu plus. Là il y a 600 moins à faire. En sachant qu'en 2022, je ne sais pas ce qui sera pour les prochains qui regarderont la vidéo plus tard, en août 2022, enfin juillet-août 2022, elle est en travaux, cette cabane, ce refuge. Donc apparemment, c'est un refuge gardé qui est en travaux, donc vous ne pouvez pas vous restaurer, etc. Mais le dortoir est ouvert, vous pouvez dormir. Restauration, normalement, s'il est ouvert, restauration et ravitaillement. Apparemment, ouais. Ça, c'est bon à savoir aussi. Hein. Comme chez Marinette. Hein. Martinette, pardon. Putain, les noms, gros. Refuge de la Martinette, dans deux jours, il y a moyen de dormir, manger, et il y a un ravito, une sorte d'épicerie avec des sardines, de la semoule, etc. Il y a un brouillard incroyable, on voit rien, du coup, ben, il n'y a pas beaucoup de paysages, désolé. Hein. On se situe où ? On se situe au col de Claran. On est à 1956 mètres. On a fait une pause au refuge de Claran, qui n'est pas noté refuge de Claran sur le mur là. Sur les cartes, c'est refuge de Claran. Petite ascension de 30 minutes pour monter au col. Le refuge, on s'est arrêté manger. À côté, il y a le refuge du berger. C'est attenant, c'est collé. Dans le refuge qui est ouvert aux randonneurs, vous avez table, robinet avec de l'eau, un poêle à bois et 10 couchages. Voilà, ça c'est pour les infos. Une fois de plus, vous saurez tout sur la traversée de la Belledonne grâce à cette vidéo, bien évidemment. C'est le but. J'ai envie de dire, ça sera un petit peu la vidéo référence de la Belledonne. Et j'emmerde tout le monde. J'en demandais pas tant du parle la chaîne. J'essaye de vous faire un truc ultra complet que, en regardant cette vidéo, ben, en fait, vous puissiez partir faire la traversée de la Belledonne.
Ouais, parce qu'il n'y a pas autant sur internet, il y a un peu des forums où ils en parlent et tout, mais avoir vraiment un descriptif clé en main de la traversée, il n'y a pas trouvé. Hein. Pas beaucoup. Vous avez plein d'infos, hein. Mais voilà, il faut fouiller un petit peu sur YouTube, ensuite il faut aller sur internet, par exemple sur Refuge Info, pour savoir si ça c'est ouvert, si ça c'est gardé, etc., etc. J'essaye de vous faire un truc hyper complet, comme ça en fait vous regardez cette vidéo et vous savez tout, tout, tout sur le... Oh attends, attention, je vois de l'herbe, ça me fait passer une petite blague. Blague. Va pour un jingle. Pourquoi les putes... Ah ouais. Non, pas de poils au vagin. Je sais pas. T'as déjà vu de l'herbe sur l'autoroute, toi? Ah, sympa, bonsoir. Clé en main, la Boldone. Je... C'est clé en main, la Boldone. Oh. Ah putain, t'es pas mal celle-là. Bonjour, bonjour. Putain, un gilet jaune. Putain, un Bermuda jaune. Du coup, là, on se dirige au refuge de la Pierre Carrée. Pied Carré, surnommé par moi-même El Pan Le Chen. Voilà, après au refuge, Clarence, c'est là où on a mangé à midi. Et le matin? Et le matin? Ce matin, refuge, non, des fers. On y est passé ce matin. Ferris. On est parti de là, je crois, non? Refuge de la Perrière. Voilà, on est parti de là. On a fait ça, 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 ah ouais, ça, non, ça, mais ça, mais ça, 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 fou. Ça. On marchait à une vitesse de dingue. Allez, bonjour, 6h30 aujourd'hui, on est le mercredi 27 juillet. Où on est? On a passé la nuit juste ici, on est à la cabane refuge non gardée de Lop Bernard. Magnifique cabane, une fois de plus, on a passé la soirée devant, vous avez une table là, dehors, avec une vue imprenable sur la forêt, là-bas en face la Chartreuse. Le soleil se lève tout doucement, tout doucement, tout doucement. À l'intérieur de la cabane, vous avez un dortoir immense, une grande table, un poêle à bois. Il y a une petite source qui coule. Là, cette année, c'est compliqué, mais en règle générale, la source coule bien. Les toilettes sèchent là-bas, au fond. Grosse, grosse, grosse journée hier. 24 km, 1007 plus, 2000 moins. C'était costaud. Donc là, aujourd'hui, on a décidé, avec Yaya, de finir l'étape à... l'auberge de la Martinette. Ça sera un peu plus court que hier. Attention, la Boldone est pleine de surprises. Et du coup, on va se prendre le repas du soir, la nuitée là-bas. Et là, on descend à Glaizin, 2,6 km, 1 heure de marche. Voilà, le topo pour la journée. 2,6 km, 1 heure de marche, bien sûr, 500 mètres négatif. Sinon, on ne serait pas en Boldone. Allez, on attaque cette troisième journée. Avec un petit peu de fraîcheur là aujourd'hui, on est à 1600 mètres d'altitude ici, il fait un peu frais, on va se régaler, et ce soir c'est la régalade. Ouh ce soir. Ouh ce soir. Il
derrière moi, la cabane du bout. C'est la plus belle cabane depuis le début, à mon goût. Et là, je sais pas si vous entendez. Eh bien, ça y est, on est descendu au pont de Valoir. Il y a un petit spot avec une table, des shots, un peu dégueulasse, mais des shots quand même. Une fontaine. De quoi jeter des poubelles aussi, hein, ce qu'on n'a pas fait. C'est raté. Et là, on monte direction la Martinette, où on s'arrête ce soir. Étape assez courte, on va faire moins de 16 bornes. Hier, on en a fait 24, c'est bien, faut pas trop non plus se brûler. La descente d'où on a mangé à midi, donc de la cabane de... De la fouetterie. Fouetterie. Jusqu'en bas là, c'est cassant que ça en peut plus. Attention. 2 km, ouais. 1h15. Ouais. 2 km, 1h15 annoncé au panneau. On a mis un peu moins parce qu'on est descendu comme des troubadours. C'est vrai. Bon, c'est complètement incroyable. Derrière moi, la cabane du bout. Et là, je sais pas si vous entendez. J'en reviens pas. Il y a des mecs. Ils sont en train de débroussailler autour de la cabane pour faire propre. Je sais pas si c'est employés communaux. Je sais pas ce qui se passe en Isère. Comment ça se fait qu'il y a autant d'entretien? Là, c'est tout débroussaillé encore le chemin. C'est propre. Les cabanes, elles sont propres, elles sont bien entretenues. On voit que c'est respecté. Il y a une belle mentalité là, j'aime beaucoup ça. Hein. Regarde-moi ce cadre. Elle est là-bas. Wow! Et là, on est devant le sapin de Henri IV. Un monstre. Un monstre. On est arrivé au refuge du Léat. Je ne sais pas trop comment on dit. Il y a le refuge qui est ici. Et juste derrière, bam, vous avez le lac. On a fait ça donc en 2h42 depuis ce matin. Donc, hop Bernard. Concernant le refuge du Léat, dedans... Pareil, poêle, table, un beau dortoir en haut, il y a les toilettes juste derrière, il y a la source à côté, donc franchement c'est le top du top, vous pouvez presque faire la traversée de cabane en cabane. Hein. C'est Bref, on va se poser, je pense qu'on va être bien ce soir, et ce soir il y a quelqu'un qui nous rejoint, c'est la petite surprise de dernière minute, voilà, vous verrez ça tout à l'heure. On vient de... Ben on est arrivé à la finish de ce soir. Regarde, tu filmes. Petite lessive. Oh, quel bel homme, parle la chaîne, quel bel homme. On a fait une petite lessive. Chaussettes, caleçon, le haut.
histoire de sentir un petit peu mieux. On va aller se réfugier vite vite en terrasse. Bon, vite un petit café. Non, je déconne, une bonne bière. Va pour une bonne bière. Et du coup, la petite surprise. Qui est presque une surprise pour nous aussi, parce qu'on n'avait pas prévu de faire ça aujourd'hui comme ça. Les personnes qui sont vraiment accrues, férues, de trek attitude gris, je pense qu'ils le connaissent. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise surprise? Je vous laisserai juger. Vous l'avez vu dans deux vidéos, dans le Vercors cet hiver et dans la vidéo rencontre abonné, dans c'est le Vercors Yves, aussi. C'est pas Yves. C'est pas Yves. Il y ressemble un peu. Il ressemble un peu à Yves. C'est mon Youssef, bordel. Salut. Toi, tu es d'ici? Non, Jo, ouais. À peu près. Grenoble. Donc, c'est pour ça que tu nous as rejoint pour finir ouais, cette traversée de Baldone. Côté, ouais. C'est génial, ça. Il nous accompagne pour la fin, donc il nous reste trois étapes, à peu près. Bonjour. Merci. Ça me fait plaisir de te voir ici. Et bienvenue. Merci. Dans notre traversée de Baldone avec le parrain de la chaîne. T'es quand même tombé avec le seul GR que je fais avec le parrain de la chaîne, quoi. C'est clair. T'es un peu dans la merde, je te le dis. Tu serais pas venu exprès pour moi, ce con. Ouais, je crois. Je crois bien, ouais. J'ai hâte de des blagues. Est-ce que tu pas un petit peu de la jaquette, celui-ci? Le gîte, la étape hôtel, la Mauricette, il est au top du top. Je vais le racheter. D'accord. C'est 6h05, les copains. Je suis dans le réfectoire du refuge de la Martinette. C'est super joli, hein, franchement. Les proprios, les gérants, ils sont super gentils. Donc je vous conseille vivement de passer par ici, si vous faites la traversée de la Baldone. C'est trop cool. Nous, aujourd'hui, les 7 lots, donc il y a 3h50 de marche à peu près. Ensuite, on va essayer d'aller jusqu'à Jean Collet. Le refuge, il y a 25 bornes, c'est costaud apparemment. Les jambes ce matin, elles sont lourdes. C'est des poutres de fer. Donc voilà, on va y aller tranquille, faut pas se blesser. Petit déjeuner ce matin, muesli choco de chez Forcla, un verre d'eau et on décolle. Coucou le parrain de la chaîne. Coucou. Il y a quelqu'un qui vient de passer le million, quoi tu vas là? Non. Non. On vient d'arriver au refuge des 7 lots. Matinée, 1125 mètres positifs en 3h30. Costaud, hein? Vraiment, vraiment costaud. Hein. Attention donc à ce début d'étape là. Quand vous partez d'en bas de la Martinette pour monter jusqu'ici, c'est vraiment dur, à froid, allez-y mollo. Ici, il y a du vent. Et cette année, les lacs sont vides, 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 c'est la sécheresse totale. Hein. Elle est partie. Elle s'est abandonnée. You. Ça se fait pas. Alors. C'est chaud. La il vache. Est comment le col de la vache? Il est technique. Ah ouais, ça pique. Il nous crame. Coucou le parrain de la chaîne. Putain, t'es 3 mètres plus haut, t'as pris 100 plus. J'ai que ça à dire. Ah mais gros, c'est incroyable. Ah. C'est chaud. Incroyable, mon gars. Les copains, c'est l'enfer la Baldone. On est en train de monter le col de la vache. On arrive de tout en bas, regardez-moi, c'est le lac là.
une accumulation de lacs. On a eu droit à un spectacle magnifique. Après avoir été super bien accueillis au refuge des sept lots. J'ai menti. Non, bel accueil de merde, du coup on s'est cassé. Et du coup on a tracé. Du coup voilà, col de la vache, c'est hyper costaud. Attention, préparez-vous bien à ça. Ça fait 5 heures qu'on marche et on est à 1450 mètres positif. Et c'est pas fini, on va passer les 2000 aujourd'hui je pense, c'est sûr. Par contre, la vue, c'est voilà, c'est juste tout ce que j'aime. De la roche, de la caillasse, des gros lacs, des pierriers. Il y a tout ce qu'il faut là. On est dans un cadre. Mais waouh, c'est dur hein. Je pense que c'est le massif le plus costaud que j'ai fait depuis mes débuts. Je sais pas, gros, c'est GR ça. Ah, c'est qu'il est pas là. Quoi vous dire, bah, c'est intense. Et là on redescend direction le pas de la roche, pas de la coche, pas du tout, pardon. Il y a un vent, mais putain le décor, c'est ouf. Allez, on redescend du coup, va pour un 1000 moins. La belle donne va nous tuer, j'en peux plus. C'est 17h17. On est en train de monter à la brèche de la roche fendue. Brèche de la roche fendue ? Ouais. Bon, ne faites pas ça. Arrêtez-vous avant, parce que là, c'est costaud. On est à 1890 mètres positifs, et on a 400 plus à faire là, en fin de journée. Rien n'empêche que c'est ultra splendide, hein, le décor est... Et merveilleux. C'est ce que je disais à Yaya, je pense que la Belle Donne, je le classe dans le top 3 de mes massifs préférés en termes de beauté. Mais waouh! Pour les personnes qui veulent commencer un GR, un trek, voilà, une aventure sur un GR, ne commencez surtout pas par le 738. Hein. Ça tape, ça casse, ça use, c'est waouh! Bravo mon gros. Félicitations, ça c'est beau ce qu'on a fait là. Ça c'est beau ça hein. La vache. Hein, méritant. Putain. Oh, joli, joli. Les petites tartines avec le bon fromage là pour putain. Faire du bien. Hein, hein. Oh, ce petit sommet de 17h15. 1h05 j'ai mis. On a été très bon. Il était donné hein. 1h05 pile. Ok. On est dans un cadre là. Là c'est la vraie montagne, la vraie roche. Putain, là oui. Là on est dans le vrai du vrai du vrai. C'est tellement dur mais putain, waouh. On est là pour ça les gars. Allez mon youyou. Allez mon poulet. Ça y est, tu y es là. Tu es monté mon gars. Mon gars, t'as fait 2300 mètres positifs. Félicitations. Bravo mon You. Vraiment, merci. Vraiment, vraiment félicitations. Merci. Parce que là c'est costaud. Bravo les gars. Bien wesh. Vraiment bien wesh. C'est chaud. Je suis content. Je suis vraiment content. Viens, je t'ai fait une petite tartine avec du fromage là. Allez. Ça va faire du bien, ça va requinquer, ça requinque bien. Tiens, mange un bout. Elle m'a dit oui, bon, les copains, ça avance. On vient de là-bas là. L'enfer. Et là, on est arrivé au col de la mine de fer, motivé pour arriver à Jean du Collet. Yaya, il a appelé le refuge. C'est tard, hein, c'est 19h35, ça fait 11h qu'on marche.
Ils nous gardent 3 bières et 3 desserts de côté. Super gentil. Parce que les refuges, en général, c'est 19-20 heures pour bouffer, etc. Ça, ça fait plaisir par contre. Oh là là. Comme c'est beau. Et bien on décolle du refuge de Jean Collet. Superbe accueil. Super accueil. On a dormi à la belle étoile devant. Il n'y a pas trop d'emplacement pour les tentes, c'est compliqué. Donc on a dormi devant. Il nous a dit allez-y, mettez-vous là à la belle étoile. Là on s'est régalé. Je crois que j'ai passé la meilleure nuit du séjour. Trop bien. Et ce matin on n'avait même pas réservé. Ce matin on a pu manger le petit-déj là-bas. Les prix sont normaux. Tout simple, c'est voilà, les prix de refuge quoi. Et là on décolle direction le lac Blanc et le col de Frédane. C'est pas sur le GR, parce qu'il y a eu un éboulement sur le GR. Du coup ils conseillent plus de passer de l'autre côté, ça passe apparemment. Mais on va passer de l'autre côté, comme ça on va voir un petit peu autre chose. Apparemment c'est plus alpin. Col de Frédane est apparemment waouh. Une très belle demi-journée. On va pas marcher beaucoup aujourd'hui parce que apparemment plus cet après-midi. Donc là, objectif, refuge de la Pra, il y a 4 heures environ, apparemment. Comment ? 5h45. 5h45 et non 4 heures. Allez ! Bon, on est en train de monter le col de Frédane. Une fois de plus, c'est raide que ça en peut plus. Regardez-moi ça, regardez où ils sont. Bam! Le glacier derrière. Et à mon avis, on va passer limite. On va se prendre la flotte sur la tronche, je sens. Si vous le sentez pas, vous le faites pas, hein. Bon, on vient d'arriver au col de Frédane. Et ça vient de se boucher complètement. Les nuages, ils sont montés à 300 à l'heure. Et là, ça y est, c'est bouché, complet. Ils sont là, les artistes. Ils viennent d'arriver. Grosse montée, là. Hein. Grosse ascension. Et on n'est pas récompensé, là. Hein. Là, c'est une... Voilà, le deuxième jour, on ne part pas à l'heure qu'il faut. Fini. Allez. Allez, les gars. Les copains, on est au refuge de la Pra. Ici, c'est une pièce qui a été conçue spécialement pour les bivouaqueurs. C'est le refuge d'hiver à la base. L'été, il est accès libre pour tout ce qui est bivouac,
toutes les personnes qui sont en autonomie. Ça, c'est bon à savoir. Vous pouvez arriver ici comme nous. En fait, quand on était au col de Fredan, en fait, il est arrivé la brume. Et d'un coup, on s'est chopé la pluie avec la brume, le brouillard partout. C'était compliqué de trouver un petit peu notre chemin. On a galéré comme pas possible. On est arrivé au refuge totalement trempé. On était congelé en plus, il faisait un froid pas possible. Du coup, on est arrivé ici, il y a une petite pièce pour nous, les bivouaqueurs. Ça, c'est trop bien. Merci à eux hein, de laisser à dispo comme ça des pièces. On n'est pas bien là ? On est frais, hein ? Franchement on a passé l'après-midi tranquille. Tranquille, on pépère. S'est régalé devant le refuge. On a pris une petite omelette à midi avec une petite bière. Nickel. Super accueil. Ouais. Les gérants sont super cool. Devant, il y a la cabane de berger avec la vue qui est magnifique. Donc du coup, on passe la nuit là. On va se couper là-dedans, là, on va dormir par terre, tranquille. Et je crois que le parrain de la chaîne va nous faire un bon repas ce soir. Ah, il va y avoir un gros repas ce soir. On va pour 3 lyophilisés. Oh, 3, bon MX3. Bien sûr, avec lyophilisé.fr. Ouais. Oh, le c'est calé. Le code. Allez, code promo, très gratitude, 10%. Attends, mais oh. Bien évidemment, le lien est dans la description de la vidéo. Dans la description. Vous avez 10% sur lyophilisé.fr grâce à mon code. C'est pas beau ça? Vous pouvez acheter des lyophilisés, des tentes, des matelas, des duvets, de tout, des filtres à eau. Il y a tout chez lyophilisé.fr. Au prix des lyophilisés, en ce moment, il y a tout qui explose. 10% en moins, c'est toujours ça de prix. Voilà, c'était le petit placement de la vidéo. On va passer à table, tranquille. Et demain matin, fin de trek, on se dirige vers Champs-Rousses. On va encore se régaler pour un dernier jour, je vous le promets. Et demain, il fait beau, donc on va pouvoir voir un petit peu du décor parce qu'on a loupé 2 lacs cet après-midi. Je pouvais pas vous filmer, en fait, il faisait une pluie pas possible. On a tracé, donc voilà, j'ai loupé un tout petit bout de cette belle donne. Je pouvais pas faire autrement. Bref. Chers amis, bonsoir. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour de cette traversée de la Belle Donne du GR738. On est 9h15. On est 9h15. Ça ne veut rien dire. Là, ça y est, c'est fini. C'est la dernière journée. Il y a des petits lacs, il y a des petites descentes. On arrive à Champs-Rousses. Ça va être beau. Il fait beau. On a pu tout faire sécher après cette pluie torrentielle et très froide d'hier. 6e jour. En avant. Elle va pour rien au fil à midi. Ben nous on se retrouve pour de prochaines aventures. Avec le pain. La chaîne. Il y aura une petite coupure, vous avez pu me voir quand même. Hein. Ouais, petite coupure. C'est les vacances. Le pain de la chaîne est en trêve. Trêve. Estivale. Estivale. Pendant que moi je pars là où je vous parle, pour faire le tour du Mont Blanc. Et ensuite le tour du Kera. Ouais, j'ai pas fini. Moi je suis en plein boulot. Allez. Hasta la cuerta, comme dirait Papy. Ouais, comme dirait le vieux, hein, hasta la cuerta. Et comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse. Et qu'il passe du bon temps à le sphincter qui se détend.